Nakata makambo yozo sala pesa par na nzambepe. Azwa par na ye po yozwa victoire na makambo nyonso yoza nango besoin. So keza problème à santé, pesa e par na ye. Ndaki salokola ana pesa ki par ya nzambe. Na problème ozaki ya ye. Azaki stérile bien-aimé. A sosola ki na suka nango ifaki nzamba zwa par na ye. Poye akoka kokoma mwasi ya mabota. Asosye nzambe. Pesa par na oyoza nango besoin. Na ko invite biso to telema poto ya mbamungu na nzambe. Oya bongami pona kolesa biso na poko alelo. Tozwa kei homme de Dieu tango azoleka papa na biso neo beteli Yesu maboko makasi. Luc 23, versets 22 à 25. 25. Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. » 23. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. 24. Pilate prononça que ce qu'il demanderait serait fait. 25. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait et il livra Jésus à leur volonté. Parole du Seigneur. Il y a une chose que ta prière il a fait ce soir. Ou bien je veux dire ça, il y a encore une chose que ta prière il a fait ce soir. J'aimerais te dire que ta prière, il a bougé le trône de Dieu. Amen. Et puis a dérangé le monde des ténèbres. Amen. Non, je ne sais pas si tu me comprends. Ta prière que tu as fait encore ce soir, il a fait des grandes choses. Il a bougé le trône de Dieu. Parce que Dieu, il est content. Mais dans le monde des ténèbres, il y a une confusion énorme. Il y a des choses peut-être que tu n'as pas demandé. Mais sache, comme tu as bougé le trône de Dieu, Dieu va le faire. Amen. Dieu va le faire. Non, acclamons doucement, mais pour la gloire de Jésus. Amen. Et notre thème aujourd'hui s'intitule « Jésus a pris ma place ». Jésus a pris ta place, il a pris ma place, il a pris notre place. Et des fois, c'est une histoire, ou bien c'est des versets, des fois, quand on lit, ça nous bouge beaucoup. Parce que quand on dit que quelqu'un a pris ta place, ça signifie que tu méritais une chose. Mais cette personne, il a eu pitié de toi. Il a vu que tu étais quelqu'un que tu ne pourrais pas. Et lui, il est venu pour prendre ta place. Et c'est ça que Jésus a fait de la croix. Or, si on va commencer, nous tous, je sais qu'on connaît bien qui est Jésus. Et Jésus, c'est notre Dieu, c'est notre Sauveur. La Bible dit que l'agneau qui était immolé avant le commencement du monde. Quand Adam et Ève ont commis le péché, Dieu n'a pas trouvé notre solution pour sauver ton âme et pour sauver mon âme. Dieu il a vu le loin. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que l'homme qui a commis le péché, il a fait une chose que nous tous avons fait aujourd'hui. Mais seconde. Et Dieu, par son amour, il a dit non, il a pris encore une fois l'agneau. Il a pris l'agneau, il a tué l'agneau. Il a pris la peau d'agneau pour couvrir la nudité de l'homme. Or, si on comprend la nudité, c'est le péché. Donc, c'est que Dieu, déjà au commencement, il a trouvé une manière pour couvrir la nudité et le péché de l'homme. Et quand il est venu sur terre, nous tous on connaît, Jésus est né. Tant abotamaki lokola moto. Oh, et ça renverse mon alingaramingi, lui qui était Dieu. Azala kinzambe metangwa kiti ezaki ne sika moko tabana ko la kisabeta tolo wi azala kinzambe antimaki ko koma moto. On connaît l'histoire. Après il a grandi, après il a pris 12 apôtres. Il marchait avec ses apôtres. Il expliquait qu'est-ce qu'était la mission que lui venait faire. Parce que des fois des gens on comprend pas les buts d'arrivée de Jésus sur cette terre. Mais tout misusu bakanisaka Yesu ayaka na mukili oyo enso sizapo abaksalisu encore une religion. Non, parce que comme j'ai dit, moi je crois, on croit que la religion ne sauve pas personne. Mais c'est l'évangile, la parole de Dieu qui peut sauver quelqu'un.
Parce qu'il y a des gens qui sont encore fermés dans leur coutume religieuse. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Mais c'est l'évangile, la parole de Jésus qui va te sauver. Oh, Jésus, il a commencé à marcher avec ses disciples. Mais un jour, il a dit, « Naïe, ah, pour na koufa. » Jésus, il a influencé pas mal de monde. Ceux qui ont 8 ans, au Trinanda, au Tangi Bible, au Komona, que parmi les 12 apôtres, chaque apôtre a un caractère, naïe. Il a une vision, naïe. Il a une pensée, naïe. Il a une makambu, naïe. Mais comme lui était dit, il a influencé toutes ces 12 personnes qui étaient vraiment à côté de lui. C'est, on veut partager les disciples de Jésus. Dans la 12, on avait une échelle qu'on peut considérer. Il y a des gens qui ont cru qu'on ben andeni. Na 12, ils ont qui na moko, ils ont qui beaucoup plus proche à Yesu. Et na 11 batikali, il y avait encore 3 qui étaient beaucoup plus de Jésus. Si on veut comprendre ça, on va voir. Il y a un moment quand Jésus il est parti pour faire la prière de transfiguration. Quand Jésus il est monté, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Donc c'est que si on comprend bien dans les 12 apôtres, Jacques, Jean, Pierre, c'était des gens qui étaient vraiment beaucoup plus proches de Jésus. Et dans les 3, il y avait Jean qui était beaucoup plus proche de Jésus. C'est pour cela qu'on va voir les jours, tant que Bazaki na table, na Sainte-Seine, la dernière Pâque, tout le monde a dit que les disciples étaient entourés. Mais Jean, la Bible dit que Azaki Mutunaye, Azaki on a toloyes. C'est parce que c'était vraiment quelqu'un Azaki une intimité beaucoup plus naïes. Et tant que tu commis, c'était une journée un peu difficile. Les disciples ont demandé à Jésus, mais tu as passé par qui wap? Jésus l'a précisé à lui beaucoup de na ville. Boko kuta mutumo ko azo tambulana kingalu na benga na kikongo. Boko tambulana krishmoko na lipeka naye. Aibi soki bomoni ye botu na ebo bisa ye nzambi Yesu alobi kitango na ye koki toko passe Sainte-Seine wapi akola kisabine shika. Il les a donné cette place. Jésus avec ses disciples, entouré avec 12 disciples. Il y avait le pain dans les tables. Il y avait du vin dans les tables. Mais quand ils ont regardé Jésus, Jésus il était triste ces jours-là. Alléluia. Jésus il n'était pas comme d'habitude. L'homme puissant, l'homme fort, les lions de la tribu de Juda. Mais ces jours-là, il avait vraiment l'apparence d'un agneau. Il était, on peut considérer, un peu mou. On dirait qu'il était un peu triste. Parce que l'angoisse, il a pris la cœur de notre Jésus. Jésus savait, comme Dieu, c'était aujourd'hui les derniers jours, comme humain, que je vais vivre avec mes disciples. On va analyser. Quand on perd un proche, ce n'est pas une histoire facile. Quand on perd quelqu'un qu'on avait l'habitude de parler, de côtoyer, on mangeait et dormait avec lui, quand on le perd, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est pour cela qu'on pleure quand on voit un ami malade. C'est pour cela qu'on pleure quand on perd un parent. On va analyser lui-même Jésus, lui qui était Dieu. Mais les jours que Lazare il était mort, la Bible nous confirme que Jésus s'approcha des tombeaux de Lazare. Jésus a pleuré. Parce qu'il était 100% homme, il était 100% Dieu. Et sa partie humaine, ces jours-là, il a commencé à parler. Jésus, il était angoissé. Et là, il a fait sortir les mots qui étaient comme une bombe ces jours-là. Il a dit, on est là d'où vous êtes là d'où. Mais parmi vous, il y a quelqu'un qui aujourd'hui va me trahir. Alléluia. On va imaginer ça. Les disciples ont dit, mais est-ce que Jésus, il est en train de dire quoi? Il a dit, parmi vous tous qui vous êtes là, vous tous qui vous êtes là, il y a quelqu'un qui va me trahir aujourd'hui. Les disciples ont commencé à demander, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Il y a un moment, Judas a demandé, est-ce que c'est moi? Jésus l'a dit, il y a quelqu'un qui va me trahir aujourd'hui. C'était triste. Je crois que Jean qui était dans la poitrine de Jésus, il a regardé. La Bible dit, si on regarde bien dans le livre de Jean, il y a une place que Pierre il était un peu loin de Jésus. Mais il a fait signe à Jean. C'est la Bible qui dit ça. Il a fait signe à Jean pour demander qui va les trahir. Et comme l'intimité de Dieu avec l'homme, c'est une chose que Dieu l'aime. Dieu ne cache pas ça. Dieu l'a montré à Jean qu'il était son intime. Jean a demandé à Jésus, « Jésus, c'est qui va te trahir ?» Jésus a répondu, « La personne que moi, je vais couper le pain et donner un peu de vin, c'est lui. » Et Jésus, en même instant, il a coupé le pain, il a mouillé, il a donné à Judas. Et Judas, il a pris ça. Après, il a regardé Judas, il a dit, « Tout ce que tu veux faire, fais-le, mais vite. » Mais il y a une chose qui est triste. Il n'y a personne qui a compris cette révélation.
Mais ils ont posé une question. Jésus l'a répondu par l'intimité qu'il avait entre lui et Jean. Mais Jean et Pierre, ils n'ont pas compris. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé dans leur tête? Ah, c'est lui qui garde les sceaux de notre église. C'est lui qui garde les sceaux de notre assemblée. Peut-être Jésus l'a dit, va encore acheter des choses. Mais c'était un pas que Jésus a dit à Lobby. Il a dit, va, mais fais-le vite. Jésus voulait que tout ça, ça finisse. Parce qu'il a vu la tristesse de ses disciples. C'était une journée vraiment triste. Les disciples étaient là en posant des questions. Et Judas, il est parti. Mais on va imaginer, la Bible dit que le livre de Matthieu, ils disent que Jésus a commencé à chanter. Et c'est ça qui nous arrive, nous tous. Quand on est dans une journée de douleur, quand on est dans une journée d'angoisse, quand on perd un parent, on commence à chanter. Et je ne sais pas quelle chanson que Jésus a chantée. Je ne sais pas c'est qui a composé cette chanson. Mais une chose me dit que Jésus l'a chanté. Et il cherchait la force en lui. Il cherchait le corps, il cherchait la force dans sa divinité. Qu'il lui donne un peu de force. Parce que Jésus, ce jour-là, il était vraiment un agneau. Comme Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit une chose. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'était ça la mission de Jésus quand il est venu. Parce que le péché, il est en train de nous diviser, de nous séparer, de nous éloigner de Dieu. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. C'est pour cela, dans le livre d'Isaïe, la Bible dit, cherchez Dieu et tant qu'il est proche. Cherchez Dieu et tant que tu peux le trouver. Et c'est ça que Jésus est venu faire, d'approcher l'homme. Parce qu'il ne veut pas que ton âme perde. C'est pour cela qu'il est venu. Mais ce jour-là, c'était dur. Jésus a pris les disciples, lui qui avait l'habitude de monter tout seul dans les montagnes d'aller prier. Mais ce jour-là, Jésus l'a dit, venez avec moi, on va aller prier. Oh, je ne comprends pas. Je crois que les disciples, ils ont resté un peu, ils ont posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe en vrai? Jésus nous demande la prière. Jésus l'a dit, venez avec moi, vous là, vous tous, venez, on va aller prier. Jésus a pris les 11 disciples avec lui. Après, ils sont partis. Ils sont partis où il avait l'habitude de prier. Jésus avait un endroit qui priait d'habitude. Là où il affrontait les grandes batailles. C'est là où il affrontait le malin. C'est là où il faisait tout pour toi et moi. Et Jésus a pris ses 11 disciples parce que Judas n'était pas là. En arrivant, Jésus est entré dans une bonne nuit. Dans cette nuit-là, Jésus est entré avec ses disciples. Ils ont commencé à prier. Mais quand ils ont commencé à prier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Jean, Jacques, Pierre, venez avec moi. Ils ont pris encore à côté. Les nefs, ils ont pris. Et quand il les a pris, ils sont arrivés dans un endroit, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Jésus, il a fait encore une autre chose. Alors, lui, non, il y a une chose qui ne va pas. La Bible dit qu'il s'est séparé des trois. Donc la distance d'un jeté de pierre. Donc ça aussi le bango bois qui c'est presque ça va calculer. Donc Jésus il s'éloignait encore. Mais quand il s'éloignait, on va imaginer l'homme qui a commencé à prier. Il avait l'habitude de prier de 18h jusqu'à 6h. Il disait beaucoup de choses, il faisait beaucoup de choses. Mais ces jours-là, il n'avait pas grand chose à dire. Notre avocat, Asalaka Namaloba Mouké à Koloba Jourwana. Aïbisi Nzambi, papa, est-ce que c'est possible? La souffrirté. Est-ce que papa est possible? Na mela kupo te le kasana mela yango. Abinza est-ce que c'est possible te na sauver l'humanité na ndenge mosus. Il a répété ces mots quand il est retourné, il a trouvé ses disciples en train de dormir. On pose la question pourquoi ils dormaient? Est-ce qu'ils ont compris vraiment? La Bible dit qu'ils étaient tristes ces jours-là. Il a vu Pierre, il a vu Jacques, il a vu Jean en train de dormir. Après, il a réveillé Pierre. Pourquoi il a réveillé Pierre? Parce que Pierre, il a dit, c'est pour cela, maître, que tu fais une prière. Mettons ça dans notre tête. Dieu, il prend ça en considération. Tu dis, Dieu, mais voici, envoie-moi pour aller prêcher la parole. Les jours que Dieu va avoir besoin d'une ville pour aller prêcher la parole, à cause de ce que nous avons fait une prière. C'est pour cela qu'il n'a pas réveillé pas quelqu'un d'autre. Il a réveillé Pierre. Parce que Pierre a dit ça qui est mais quand il a réveillé Pierre, il a fait la prière que je crois que Jésus les a montré. Notre Pierre qui est aussi hier. Oh, nous sommes après quelques moments, Jésus est parti. Il est venu pour la deuxième fois. Ils ont fait la même chose. Il est venu pour la troisième fois. C'est bon.
alobi bola moka parce que moto azo trahir nga azoya. Juda il venait devant. Il était devant avec les sacrificateurs qui étaient à côté de lui. Mais Juda il s'est mis devant, il marchait. Et quand il marchait, il a regardé Jésus. Qu'est-ce qu'elle était le signe? Il a dit mutonga na ko embrasser celui mutobini boko kanga. Quand il est arrivé vers Jésus, il l'embrassa. Jésus il a dit moi qui m'a beaucoup touché. Jésus il a dit mon ami. Alléluia. Jésus il a dit mon ami, c'est par un baiser qui trahit, qui te trahit le fils de l'homme. Et nous on trahit, on toujours trahit Yesunanin parce que Judas il a trahi avec un baiser. Et puis surtout trahir Yesunanin. Et combien de fois on a négocié Jésus avec une autre chose? Combien de fois on a négocié Dieu avec une autre chose? Parce que mettre fatoti kaka kosambela, peut-être que ça est comme sous. Mettre fatoti toujours quand on met une priorité à une chose, on est en train de mettre Jésus à l'écart. Est-ce qu'il mérite vraiment ça? Parce que aujourd'hui, des fois, on dit Juda, il a trahi Jésus. Et combien de fois, plusieurs fois, nous-mêmes, on a trahi Jésus. Mais Jésus, il n'a pas dit ennemi. Je crois que peut-être c'était nous, dans notre époque, on voulait dire tous les mots bizarres. Mais Jésus, il a regardé, il a dit même si tu m'y trahis, tu continues à être mon ami. Parce que lui-même, il a montré aux disciples, il a dit priez pour vos ennemis. Il a dit, priez pour vos ennemis. Priez pour les gens qui sont en train de vous persécuter. Priez pour les gens qui vous disent des mal. Il a pris ta place. Jésus faisait ça avec un but. Pour te sauver, pour me sauver. Parce qu'il savait que toi et moi, nous sommes faibles. On ne mérite pas encore mourir. Jésus il a dit, non, l'humanité, il a tellement perdu. Diable, il a fait tellement la fête. Maintenant, c'est fini. Il a dit, Père, envoie-moi pour aller. Mais quand il est venu de sa divinité, il a vu la souffrance. Il a dit, Nzambe, coupe eleka. Quand il a trahi, Pierre, il était tellement en colère. La première personne qui s'approchait pour toucher Jésus, Pierre, il a pris un couteau. Il a coupé l'oreille de cette soldat. Il a coupé, Jésus l'a dit, arrête. Ce n'est pas le moment de violence. Il a dit, un mot. Il a dit, si je voulais, si je voudrais, je n'ai papa nanga, atindelanga, au moins 12 lésions célestes. Jésus l'a dit, ce n'est pas le moment à Kobunda, parce que le moment est arrivé de sauver l'humanité. C'est dire, mais c'est ça, à le bibomba mbeli na yo, parce que abo marana mbeli, akokufa na mbeli. Il voulait les sauver. Jésus, il a fait encore un autre miracle. Il a pris l'oreille, il a mis dans l'oreille, dans la tête de cette personne, et cette personne était guérie. Oh, ça voulait être suffisant. Il dit non, mais oui, c'est quelqu'un qui est en train de guérir les gens. On va les laisser, c'est un innocent. Mais comme il a rage et comme les plans divines, c'était comme ça. Ils ont pris Jésus. Ils ont pris Jésus, ils ont commencé à le menacer. Ils ont commencé à menacer ton Dieu. Ils ont menacé mon Dieu. Ils ont menacé notre Sauveur. À cause d'une chose pour nous sauver. Jésus, il était là, il a accepté. Quand ils ont venu pour Bakanga Yesu, Jésus les a demandé, à qui vous cherchez? Ils ont dit Jésus. Jésus l'a dit, je suis. Et quand il a dit ça, la Bible nous confirme que tout le monde ils ont tombé. Ils voulaient le faire encore. Et regarde le bal, ils suspendent parce que tout a été. Mais à permettre Moutoua à Salah qui a touché hier. Combien de fois on dit que notre Dieu il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est potent. Il a la puissance à lui. Il a dit à Pierre, c'est nokina lingaka. 12 légions, c'est ce que awa. N'engana permettre ça, ange mokazala pour tout angate. Mais à permettre tout aille. Pourquoi il a permis tout ça? Parce qu'il a dit ma qui trahison n'engana yo. Il a permis qu'on fasse ça de lui. Il y a des gens qui ont commencé à taper sur Jésus. Il y a des gens qui ont commencé à dire des noms blasphèmes sur Jésus. Jésus partait, il partait. Ils ont l'amené chez Caïphas et Annas. C'était les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. Qui est le souverain sacrificateur? C'est quelqu'un que Dieu il a donné l'autorité, qui entrait une fois par an. Les seules personnes à cette époque qui parlaient avec Dieu, c'était les seules. Personne d'autre qui parlait avec Dieu. C'était les souverains sacrificateurs qui parlaient avec Dieu. Il est entré dans les lieux très saints et l'Esprit de Dieu il descendait, il parlait avec lui. Il disait, va dire à ces peuples que leurs péchés sont pardonnés. Mais quand Jésus il est arrivé devant lui, il n'a pas reconnu la voix de Dieu. Il n'a pas reconnu la voix de Dieu.
Aibagite ke nzambo na solo lakana ye. Wayebisanga masumu a peuple limbisa mia za devanga. Kanda esala kina motema na ye. L'homme qui connaissait, c'était un homme qui connaissait la Bible. C'est l'homme qui connaissait la Bible qui on peut même pas imaginer. Ok, théologiens à ce moment sont tous ces la défi. Naka, nana, Anas, 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 toujours. Il voulait être toujours vainqueur. C'est quelqu'un qui a décoré la Bible dans sa tête. C'est quelqu'un qui a commencé à prier le Torah quand il avait 5 ans, jusqu'à 45 ans. Quelqu'un qui a pris ça. Mais Abosani, il n'a pas reconnu la divinité de Dieu. Parce qu'Isaïe, il a parlé de lui. Mais quand cette personne est devenue devant lui, il n'a pas reconnu. Il a demandé, est-ce que c'est toi le Fils de Dieu? Jésus a répondu, Yomokolobi yango. Oh, et pessier kanda. Parce que le verbe je suis, c'est on veut. Bah, juif, bah, bah, jamais je suis. Parce qu'il y a un seul je suis, notre Dieu. Parce qu'un Dieu, nous n'avons pas qu'au botate. Ce que nous n'avons pas qu'au botate, c'est un scandale. Et quand Jésus disait que moi je suis Fils de Dieu, c'était une blasphème. Et là, c'est impossible. Mais oui, c'est impossible. Parce que la naissance de Jésus, c'est une incarnation. Après, il y a quelqu'un qui est à côté et qui a commencé à taper Jésus. Jésus a dit, mais pourquoi tu m'as tapé si j'ai dit que la vérité? Ils ont dit, non, tu mérites la mort. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont craché sur lui. Sur notre Jésus. Il y a quelqu'un qui a craché sur notre Jésus. Mais Jésus, il était mieux. Jésus ne parlait pas. Jésus ne voulait pas se défendre. Parce qu'il sait que toi et moi, nous sommes faibles. Jésus a pris seulement notre place. C'est pour cela qu'on doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi je suis là? Parce que si on comprend en vrai les sacrifices de Jésus à la croix, ça va nous aider. Quand nous sommes devant un problème, de savoir comment on peut agir. Parce que quand quelqu'un connaît l'importance de tout ce qui est dans la main, ce qu'on comprend d'importance, c'est l'eau qu'on a au côté qui a l'eau qu'on a sauté. Parce que dans ce monde, il y a des choses qui ont des prix, mais par contre, il y a des choses qui sont des valeurs. Toi et moi, nous n'avons pas de prix, mais tout ça a valeur. Jésus a accepté ça. Bakangiye ba memie pas Hérode. Balongo le pas Hérode, ba memie pas Pilate. Et Pilate, il voulait sauver Jésus. Parce qu'il analysait, il cherchait à voir. Ba noko lukelo ko moko o iko iko sale po incriminer Jésus. Pour ba non bo bo maye. Mais il n'a pas trouvé le pauvre. Il n'a pas trouvé le bimé. Pour nani nangina kangayo. C'est là où il a dit. Alors bien non, je vais sauver cet homme. Et qu'est-ce que je vais faire? Comme il y a un bandit ici à côté. Comme il y a quelqu'un qui sème la division. Quelqu'un qui est au Bomakapena Batu. Mouibi, bandit, délicat. On va les prendre. Nebike pour sauver Jésus, c'est la seule chose que je peux faire. Parce que Barabbas, à cette époque, c'est là qu'il m'a ennemi. Abibon, c'est simple. Nakota entre Barabbas, Naïe. Et je sais que je vais sauver Jésus. Parce que les gens vont dire, non, on laisse, on tue Barabbas, on laisse Jésus. Et il y avait Jean dans le milieu. Parce que Pierre, il a fui. Pierre ne l'a pas supporté quand il a attendu Wangana qui est. Parce que Yesu est un peu comme ça. Namisa batungana ko wangana pa papa. Parce que si on allait analyser, Juda il a trahi Jésus. Pierre a wangani Yesu. La Bible dit que tant wangana pour la 13e fois, alobi kouté nga jamais na yebete na mona yete. Et Jésus l'a regardé, il a dit Pierre, na mona ngate. Et Pierre oui bingate. Et ça l'a fait mal. Est-ce que c'est ça qu'on sent aussi? Parce que c'est ça. On doit sentir ça. On doit sentir ça, la culpabilité en nous. Si tu ne le sens pas, c'est chaud. Si tu ne le sens pas, ça ne sert à rien. C'est parce que l'Esprit de Dieu est pris avec toi. Parce que quand il commet le péché, il y a un esprit. Parce que la Bible nous dit qu'il y a un esprit de Dieu qui est en nous, qui crie Abba Père. Donc il sait que cet esprit va te rappeler. Tout ce que tu viens de faire, c'est mauvais. Répands-toi, répands-toi. Donc Pierre, il a fui, Pierre ne l'a pas supporté. Pierre, il a commencé à pleurer. Mais Jean, il était là. La Marie, mère de Jésus, il était là. Marie, Magdala, ils étaient là. Ils regardaient Jésus. Ils faisaient quelque chose. Ils trouvaient comment sauver Jésus. Et ils ont mis Jésus à côté. Ils ont mis Barabbas à côté. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez? Que je libère Jésus appelé Christ? Ou bien Barabbas? Tout le monde, ils ont commencé à crier. Barabbas, Barabbas, Barabbas.
Moi, je crois que Marie criait « Jésus ». Mais on va analyser quelqu'un qui a pleuré toute la nuit. Jean, il a pleuré toute la nuit. Sa voix, il est devenu cassé. Même s'il criait « Jésus, Jésus », il n'y a personne qui l'entendait. Parce que les cris de Barabbas étaient tellement forts. Est-ce que c'est ça les choix qu'on fait nous aussi? Est-ce que nous aussi, on choisit qui? On choisit Barabbas ou Jésus? Parce que quand on fait le péché, on est en train de choisir Barabbas. Ils ont pris Jésus. Pilate l'a lavé ses mains à l'obi. Je ne paie plus rien. Donc, ce que c'est de l'autre côté, vous soyez, vous crucifiez. Ils ont demandé, vous avez dit, 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 et ces gens-là qui ont crié, vous avez c'est des gens, quand Jésus l'a mutilé de pain, ils étaient là. Vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, c'est pour cela que Jésus l'a dit. Nous devons vivre comme pour nous conquérir. Parce que pain, ça peut t'éloigner. Un jour, tu peux dire crucifiez-le. Mais quand tu reçois la parole, tu vas dire non, c'est mon Jésus. Marie l'a dit non, Jésus. Jésus, Jésus. Oh, moi, nananga. Mais il n'a rien. La Bible dit bazwa qui est Balongolie bilamba. Et dans le Pilate, le beau bétaillé. Donc c'est qu'avant même mener coulous pour bandi ko bétaillé. Oh, natanga na histoire na lukana ye ba film bora ba ngo soke azorag. Film bora ba ba zaki na métal, il avait des métal et des os au bout. Quand il frappait, ils avaient on dirait des arêtes et quand il tirait, ça arrachait les peaux de Jésus. Ça arrachait. C'était insupportable cette fibre. C'était vraiment insupportable. Un homme ne pouvait pas supporter ça. Et quand on te tape avec ça, la première tape au ganga. Mais Jésus, il était mieux. Il n'a pas crié. Il n'a pas supporté la souffrance. Il n'a pas fait ça au macas. Mais ils ont frappé, frappé encore. Paul, il a dit, il a récipé de 40. Il y a un historien qui l'a dit. Les gens, ils ont témoigné. Il y a quelqu'un qui a vu à partir des poumons de Jésus. Il est dans mon Congo. Pour comprendre, il est dans mon Congo. Il a pris mon poumon. Jésus a supporté qu'il n'y ait pas de problème. Jésus n'a pas pleuré, il a supporté ça. Il ne criait pas. Lis la Bible, comment on a besoin de détailler sur Jésus, il ne pleurait pas, il ne disait rien. Il a supporté ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une hémorragie. Si on suit la médecine dit qu'un homme dans son corps, ça dépend des gabarits de l'homme, mais il a pris au moins 7 litres de sang. Ils ont tapé Jésus. Combien de litres Jésus il a perdu? Mais il y a une chose que j'aime dans cette histoire. Quand il tapait Jésus, quand le sang était versé par terre, c'était la guérison de toi et moi. Oh non, Jésus, il est bon. Quand il tapait Jésus, la souffrance, il enlevait la douleur de toi et moi. Donc, c'était le jour de la conquête. Et c'est là qu'il y a un pour conquérir, pour nous de plus qu'un vainqueur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut clamer pour la gloire de Jésus? Jésus montait, papa s'y est coulous. Quelqu'un qui n'a pas mangé la nuit. Quelqu'un qui n'a pas mangé la nuit. Même on y est condamné histoire. On y est le but, ceux qui ont bon mammouth, ceux qui ont bon mammouth, ceux qui ont une chaise électrique pour bon maillet, Naboutou, il a le droit de manger. Il a le droit de la tranquillité. Donc il ne faut pas bon salaire, ma bé. Si vous allez tuer quelqu'un demain, il a le droit de manger. Bon salaire, ma bé. Alia, il doit bien dormir. Mais Jésus, il n'a pas dormi. Lui qui avait la foule, et dans sa majesté, il avait des anges à côté de lui. Il y avait des séraphins, des chérubins à côté de lui. Mais ce jour-là, il était seul. Il acceptait même la solitude. Pour nous, la solitude. Jésus, il a tout fait. Il n'y a rien que Jésus a échappé. Il a tout fait. Il a tout accepté pour toi et moi. Et des gens, ils ont vu Jésus. Il y a quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu dans sa tête. Il a dit, ah, un jour, lui, il disait qu'il était roi. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont pris un canne, ils ont donné la main de Jésus. Ils ont pris une couronne des épines. Les gens, les historiens, ils ont dit que les épines, il avait pris au moins 9 cm. Il avait la capacité même de percer le bois. Il y a quelqu'un qui a mis ça dans la tête. Oh, roi! Les gens, ils se prosternaient devant lui. Pas pour les louer, mais pour se débaucher de lui. Et quelqu'un, il a pris la canne qu'il avait dans la main de Jésus, il a pris, il a tapé dans la couronne. Écoute, il a moutoyé son nom. Lui, déjà, qui était faible,
Il y a le sang qui coulait encore. Et les gens regardaient, ben voilà, tu disais que tu es roi. Et Jésus supportait ça, il disait rien. Et Jésus, ils ont pris un cadeau pour lui. Ils ont dit, allez, tiens, écoulou, sous nos yangoy. Et les historiens disent quoi? Quand Babanda Kolanda Moutouba Bomaye, soit programmé Moutouba Bomaye croit, Babanda Kolanda toujours, Babanda Kolanda toujours plaque, Moko, Bakomi et Lokwa Salake. S'il était voleur, il disait voleur. Ce qu'Azala qui, ce qui Moutama Kambou, ce qu'Andé Ni Bakomani, ce Bakosala. Et bien, si plaque, Batina Moutouba, qu'est-ce qu'ils ont fait à Jésus? Bakomi, les rois des Juifs. Alléluia. Il est né roi. Il est mon roi. Il vit comme roi. Et dans notre cœur, il est toujours roi. Amen. Donc, il n'y a rien qui peut enlever sa majesté. Amen. Même quand les gens disent mal, ils reconnaissent non, c'est lui le roi. Amen. Et quand il marcha avec le roi, il est roi. Et la Bible nous dit, « Naba potanaye bisoto zilobiko. » Makile zotanga. Et pe batu bazoko zwa lobiko. Non, acclamons pour la gloire de Jésus. Moi, des fois, un jour, je parlais à quelqu'un, j'ai dit, ce qui tous a tangwana, quand Jésus demandait entre Pilate et entre Hérode et Jésus, vous choisissez qui? Il y a des gens qui veulent, non, tous a pena, tous a yes. Mais ce qu'il faut faire un écolo, c'était, nous allons côté. Donc, c'est que dans cette histoire, nous sommes dans la joie. Non, merci Jésus. Merci pour la croix. Oh, merci Jésus parce qu'on dit ma koukoufa. Non, merci parce qu'on dit ma qui souffrance pour le longana zolobiko. Parce que Bible et Bissibiso, maudit soit moutan zokoufa ne koulousou. Mais Jésus en dit ma qui a comme malédiction pour nangana le yoto comme de l'homme et femme béni. Yesu en dit ma qui soni pour nangana le yoto benga ma batalo koumou. Yango ozana droit à conquérir cette année. Non, yango n'a pas de famille n'a ozana droit à conquérir. Parce que Yesu ne koulousou a fouta qui prie yangana yo. Nous acclamons pour la gloire de Jésus, acclamons pour la gloire de Jésus. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Et bien, même mien koulousou. Nanzela bakoutana kina simon. La Bible dit que c'était comme une sirène, donc c'est quand même en Afrique. Je vais essayer de sunga Yesu bakéi, to keti ne koulousou. Et tant que comme une koulousou, et comme qui scandale. Je vais Yesu na biso ba longoli bilamba. Oh, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, là, tout ça qui est là-bas. Ce qui m'a zoki. Nous tous, on connaît cette expérience. Quand tu as une blessure, ce que je qui t'aime, c'est kangi. Et ça, c'est ce et que soulage, yo et kangami. Benda qui t'aime, wana siko. Je ne sais pas combien de trous Jésus il avait dans son corps. Mais tout ce que je sais, c'était des trous qui étaient suffisants pour me sauver, pour te sauver. Et il y avait une maladie mentale qui arrachait ça. Et quand il a arraché, qui? Il y a le sang qui coulait encore et encore. Ils ont pris notre Jésus, ils ont mis dans une croix. Tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Et qu'est-ce que Mouyibo à gauche, Moukazalak Asali? Donc, moi, je crois bien que c'était encore un débat. C'était encore un débat. L'autre, il a dit, l'autre voleur, il a dit, Alobi, amène-toi. Est-ce que tu ne peux pas te sauver et nous sauver? Oh. Mais comme Jésus, il est bon, comme Dieu est bon, même quand il a la difficulté, il cherche toujours une chose pour faire. Pour compliquer les plans des diables. Regarde l'autre qui était à côté qui l'a dit. Il a dit, crains pas tu Dieu. Il a dit, ozo banga nzambete. Oh, tu vas expliquer le kalubi. Est-ce que ozo banga nzambete? Ou azo ko sibir les mêmes punitions ngana yo. C'est que l'autre voleur azo reconnaître Jésus comme Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Même dans la croix, il est toujours Dieu. Le voleur l'a reconnu, dit non, toi et moi on mérite, mais lui il mérite pas, lui il est Dieu. Et Jésus l'a regardé, il a dit, aujourd'hui même, toi et moi on sera au paradis. Aujourd'hui même, tu es aussi sauvé. Jésus l'a dit, aujourd'hui, toi et moi on sera au paradis.
parce qu'elle a reconnu. Il y a des gens qui disent, non, si j'étais à cette époque, avec une condition, tu dois reconnaître qu'il est Dieu. Si tu reconnais que lui, il est Dieu, tu seras sauvé. Jésus l'a déclaré. Yesu Baba qui est. Je crois que Marie pleurait. Comme tout le maman voudrait faire. Bandicolela. Mais ce jour-là, c'était le jour que l'humanité il était sauvée. C'était le jour que toi et moi, nous sommes sauvés. Yango, je vais te dire une chose. Toi qui es sous pour la RCK. Je vais te dire une chose. Et là, quand Yesu a salé la croix, ne négligez pas ça. Faut pas qu'on négocie dans les Cambois. Quand tu veux faire une chose, prends la croix, le chemin de la croix. Prends la souffrance de Jésus et dis, est-ce que Jésus mérite que je l'ai trahi? Parce que Judas l'a trahi, oui, mais nous, on se l'a trahi. Ah, tout ce qui est là. Et dans zone d'Ima, et tant que tu as croyé à Jésus, Valère, c'est pas ça que les gens ont fait. Non. C'est la prière, arrête avec ça. C'est pas biblique déjà. Les gens ont okay, signe. C'est pas le croix là. Croix qu'on parle, c'est dans ton cœur. Bible, Jésus l'a dit, oh, linga ye pananga. Joie croix na yo, landanga. Joie croix na yo, accepte ça. Aïbi, c'est pas moi, Jérusalem. Aïbi, bole la pon na ngate. Mais bole la pon na banana bino. Parce que, oh, Jésus, c'est ta mère, vous allez boni pon na koni. Mais il y a une chose qui est bonne. En ce moment-là, il est à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait à la droite du Père? La Bible dit, Azoko intercéder. Il est en train d'intercéder pour toi et moi. Il est en train d'intercéder. Oh, je vais te dire une chose. Peut-être Macron, il ne connaît pas ton numéro de chaussures. Et soyez le numéro chemise naïote. Mais notre Dieu, il connaît tout ça. Notre Dieu, il connaît tes désirs profonds. Notre Dieu, il connaît ton souffrance. Notre Dieu, il connaît tes problèmes. Tout ce qu'il est en train de traverser, notre Dieu, il connaît ça. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Acclamons. Aujourd'hui, quand on regarde notre Jésus, si tu prends le livre d'Apocalypse, Nyonsu ane banoko tongisaye, ba potana Nyonsu, si aizwa lobiko. Parce qu'aujourd'hui, quand on les regarde, c'est lui le fait dévorant. Quand on les regarde, c'est le véritable soleil de justice. Quand on les regarde, c'est le véritable lion de la tribu de Juda. Et je ne crains pas de dire, c'est le lion de la tribu de EGCV. Mungunya wako tellement liboso na biso, Yesu na biso ko ganga lokola nkosi. Et tangu kosi ya gangaka, nyamanyo swakimaka. Donc moi je crois, les petits démons qui veulent t'inquiéter, ils ne vont pas résister à la cri des lions de la tribu de Juda. Acclamons pour la gloire de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans la joie? Non, aujourd'hui, ce n'est pas le jour de tristesse. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la joie. Soyez dans la joie. Car notre joie, il s'appelle Jésus-Christ. Parce que notre joie, il s'appelle Yeshua Mashiach. Parce que notre joie, il s'appelle Elohim. Parce que notre joie, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le maître des temps et des circonstances. L'homme qui connaît tout. L'homme qui paie tout. L'homme qui fait tout. En quel moment? Moment nyonso à Salaka. Alléluia. Oh, est-ce que ça n'a pas été fait pour moi? Je suis là. Mais Soka Longi, il a cette joie toujours.